Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser cette magnifique petite girafe. Donc, c'est un bébé, vous voyez, que j'ai créé pour vous. Et ma question avant de commencer, c'était si vous voulez en fait qu'elle soit accompagnée bientôt d'une maman, voilà, ou d'un papa, girafe adulte. Pour réaliser la petite girafe, vous allez avoir besoin donc de coton Cupidon qui est exceptionnel pour faire tout ce qui est amigurumi et tout en plus. Donc c'est un coton Oecotex pour les personnes qui se poseraient la question. Et donc j'ai utilisé ici la couleur crème. Vous voyez, c'est pas blanc cassé, hein, c'est la crème. Pour faire toute la couleur principale. Ensuite le nouveau marron qu'on a reçu. Donc je vais vous dire ça tout de suite. C'est la 305. J'ai utilisé la couleur camel pour faire les taches, un petit détail et ses poils. Et vous aurez également besoin donc de la couleur jaune pour faire des détails. Je dis jaune parce que moi j'ai choisi jaune, mais par exemple, tout de suite, si vous mettez du rose fuchsia ou du rose pastel ou du bleu, en fait ça peut dépendre si c'est un garçon ou une fille. Vous voyez, mais c'est vraiment, ces deux rangs-là sont vraiment optionnels pour les couleurs. Moi j'ai adoré ce thème-là, ça faisait bien girafe. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il vous faudra pour la réaliser niveau fil. Maintenant, il vous faudra également un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles et de la mousse pour rembourrer bien sûr la girafe. Et les yeux sont de 8 mm. Donc voilà. Donc vous allez voir, elle est facile. Vous avez, pour les personnes qui préfèrent suivre les explications écrites, vous avez le PDF disponible sur notre boutique. Donc on l'a préparé et il est disponible. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc sur ce, oui, on peut commencer. Je vais vous donner rapidement les mesures. Donc vraiment, si je mesure du sol, on va dire enfin, du bureau, jusqu'à le haut de sa corne, elle fait 21 cm. Voilà, donc ça c'est les mesures de la petite girafe. On va commencer la tête en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir fermer ce nœud coulant bien fort et commencer le deuxième rang. Donc on va travailler en spirale. Donc munissez-vous d'un marqueur. Donc ici, maintenant, donc, on pique dans la première des 6 mailles qu'on a là, juste là. Donc là, elle est un petit peu serrée celle-là, hein, au début. C'est vraiment là, là, pour commencer le deuxième rang, après c'est fini. Et on va faire une augmentation dans toutes les mailles. Donc dans toutes les mailles, vous faites 2 mailles serrées. Vous voyez, 1 et 2. La première de ces deux marquées là, c'est la première du rang numéro 2. Maintenant, on continue, on fait dans la maille suivante, une augmentation. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc là, ça fait déjà 3 augmentations. Je fais ma quatrième. Et je vais venir faire ma cinquième augmentation. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer au rang 3, où on va faire tout le long une maille serrée individuelle. Donc venez la marquer de suite, pour ne pas oublier. Et là, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille, dans la maille suivante. Vous voyez? Et on répète ça jusqu'à terminer. Une maille serrée individuelle et dans la suivante, une augmentation. Donc, je vais venir continuer ainsi jusqu'à avoir terminé tout mon tour. J'arrive à ma dernière. Une maille serrée, une augmentation. Vous voyez? J'ai répété toujours la même chose. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer donc au rang numéro 4 où on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Donc la première de ces deux marquée là. Et maintenant on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une maille serrée, dans la maille suivante, une deuxième individuelle. Et dans la suivante, une augmentation. On va venir continuer ainsi jusqu'à terminer. 2 mailles serrées et dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça, 1, 2, et dans la maille qui suit, une augmentation, qui là, est la dernière. Vous voyez? Là, j'ai complètement fini le rang 4. Le rang numéro 5, on enlève le marqueur, et ce que vous devez répéter tout le long, c'est 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, et 3. La première de ces 3 marquées là, c'est la première du rang,
Et maintenant, vous faites dans la maille qui suit une augmentation. Une et deux mailles serrées. Voyez? Et on répète. Une, deux, trois. Dans la maille qui suit une augmentation. On va venir répéter ça tout le long jusqu'à terminer. J'ai complètement fini, donc maintenant on va passer au rang numéro 6 où la séquence qu'il faut répéter c'est 4 mailles serrées individuelles. Donc la première ici marquée là, c'est la première du rang numéro 6. Maintenant on fait une deuxième, une troisième et une quatrième individuelle. Dans la maille qui suit maintenant, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer le rang. 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous allez avoir 30 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 11 inclus, vous allez faire les 30 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai terminé, vous voyez. Donc maintenant, le rang numéro 12, on va faire 5 mailles serrées individuelles. Donc la première, vous la marquez, c'est la première du rang, n'oubliez pas. Donc, ici. Maintenant, on fait une deuxième. Une troisième. Une quatrième et une cinquième. Après les 5 mailles serrées, on va venir faire 5 augmentations d'affilée. Donc on fait la première, on fait notre deuxième, notre troisième, notre quatrième et notre cinquième. Maintenant après ceci, on va venir terminer le rang avec 20 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, 4. 5, 6, 17, 18, 19 et 20. On enlève le marqueur et on va venir passer au rang 13 où on va faire toutes les mailles serrées individuelles. Donc une, on le met, le marqueur et on continue en faisant que des mailles serrées individuelles tout le rang. J'ai terminé tout mon rang numéro 13. Maintenant le rang 14, on enlève le marqueur. Et on va venir faire 5 mailles serrées individuelles. Une, la première marquée là. Maintenant, on va venir faire une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Maintenant, ce qu'il faut répéter 5 fois au total, ça va être une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une augmentation. De nouveau, une. Dans la maille qui suit, une augmentation. Ça fait déjà 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. Là, ça fait 3 fois. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Ça fait 4 fois. Et on le fait une cinquième fois. Une maille serrée, dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez, comme ceci. On termine le rang en faisant 20 mailles serrées individuelles. 1, 2, 18, 19. Et on va faire ici notre 20e. Et là, on a complètement fini le rang 14. Maintenant, ça va être très facile. Le rang 15, 16 et 17, vous allez faire les 40 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 18, on va venir faire 5 mailles serrées. Donc, on commence avec nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. La première de ces 5, vous venez et vous la marquez. Après les 5 mailles serrées individuelles, on va venir répéter cette séquence 5 fois. 1, 2 mailles serrées et dans la maille suivante une augmentation. 2 mailles serrées individuelles et dans la maille qui suit une augmentation. 2 mailles serrées, 1, 2, dans la maille qui suit une augmentation. Ça fait déjà 3 fois, je le fais 4 fois. 2 mailles serrées, une augmentation. Et on va le faire une cinquième fois. 1, 2. Et une augmentation. Là, vous voyez, je l'ai répété 5 fois au total. Après ceci, vous terminez en faisant 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 17, 18, 19 et la 20e maille serrée. Là, j'ai terminé. J'enlève le marqueur et on va passer au rang 19 et 20 où on va travailler les 45 mailles serrées qu'on a obtenues individuelles. Donc, 1, 2, vous voyez, je marque la première de ces deux. C'est la première du rang 19. Et on va travailler donc ces deux rangs en mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. J'ai complètement
terminé. Donc maintenant, on va passer au rang 21 où on va répéter toujours la même séquence tout le tour. Donc 7 mailles serrées. On commence en marquant la première. Et maintenant, on va venir faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième. Et maintenant, on fait une diminution. Donc, on soulève le bras avant des deux mailles suivantes et on fait notre diminution. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et de nouveau, une diminution. Et on va venir répéter ça jusqu'à terminer. 1, 2, 3, 4 et 5, 6 et 7. Après les 7, vous faites une diminution. Et on répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on fait de nouveau une diminution. Vous voyez ? Je le répète une dernière fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et là, on fait de nouveau une diminution. Vous voyez ? Là, j'ai répété ceci. Vous voyez, tout le rang. Voilà ce que ça commence à donner. Donc, ça va être très simple. Je vais vous dicter les rangs parce que vraiment, c'est très facile. Vous allez faire le rang 22, 6 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang 23, 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang 24, vous allez faire les 30 mailles serrées que vous allez obtenir individuelles. Ensuite, le rang 25, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution et vous aurez 25 mailles serrées. Le rang numéro 26, vous faites 3 mailles serrées, une diminution, vous aurez 20 mailles serrées. Le rang 27, 2 mailles serrées, une diminution et vous aurez 15 mailles serrées. Le rang 28, ça sera 1 maille serrée, une diminution et on aura 10 mailles serrées. Par contre, quand on arrivera, donc quand on aura fait le rang numéro 26, là on s'arrête. On va venir rembourrer, placer les yeux. J'ai terminé de faire le rang numéro 26. Donc maintenant, comme le trou il est assez grand, vous voyez, on va pouvoir remplir notre tête et placer les yeux. Alors, comme je vous dis à chaque fois, mais je vais le répéter puisque s'il y a des personnes qui commencent à peine à suivre mes tutoriels, vous ne savez peut-être pas, je remplis d'abord la tête avant de mettre les yeux. Puisque si on met les yeux maintenant, ça va être à l'aveugle. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas viser parfaitement. Du coup, après, quand vous remplissez une fois après avoir clipsé les yeux, ça fait quelque chose de pas du tout parfait. Donc, du coup, ce qu'on veut pour avoir un magnifique résultat, c'est faire tout, même si on perd 4 minutes de notre temps, là, mais au moins, on aura un amygdalomie parfait. Et ça, c'est le plus important. Donc, vous commencez déjà par remplir la tête. La tête, vous voyez, vous allez la faire quand même maigre. Vous voyez, il faut qu'elle soit quand même avec la forme d'une tête de girafe. Vous voyez. Une fois que vous avez bien rempli la tête, donc là, il me manque encore un petit peu de mousse sur le sommet ici. Donc ici, on va venir la placer. Donc, une fois que c'est bon, vous voyez, vous donnez une jolie forme allongée ici au museau. Vous voyez. Et ici, que ce soit bien dur, mais qu'on ne voit pas la mousse à travers les mailles. À partir du moment où on voit la mousse à partir des mailles, c'est que c'est raté. Donc, ça, ça va être en fait notre guide pour dire stop, j'en ai mis assez. Donc maintenant ici, j'ai une tête complètement finie, vous voyez, pour vous donner une idée. Donc, ensuite ici, je remettrai un petit peu de mousse pour qu'elles aient la même taille à peu près. Donc je vais le mettre maintenant. En fait, ici, donc le haut de la tête doit être bien rembourré, hein, avoir une jolie forme bien ronde, sans qu'on voit pour autant la mousse. Vous voyez, le museau bien allongé. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, ici, je vais venir compter où j'ai mis les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre le 12e... Non, entre le 13e et le 14e rang, c'est là que j'ai clipsé les yeux. Et j'ai laissé l'intervalle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi mailles. Donc on va faire la même chose.
on vient prendre le côté le plus joli qu'on estime de notre tête. Donc ici, vous voyez, on a les augmentations. Guidez-vous, c'est où il y a les augmentations que doit aller la tête. Vous voyez ici. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre le 13e et le 14e, c'est ici qu'on va venir clipser les yeux. Donc, on en met déjà un. Donc, déjà, on va mettre un premier œil. Maintenant, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Et on vient placer le deuxième œil. Donc, ici. Un œil de chaque côté, tout petit, comme ça. Et on va venir ici clipser les yeux. Donc, maintenant qu'on a les yeux au bon endroit, on peut enlever de la mousse. Et on finira de re-remplir après. On vient prendre les fermoirs et on va venir clipser les yeux. Donc, on commence avec le premier. Donc ici, on appuie bien fort. Et on fait la même chose avec le deuxième. Comme ceci. Vous voyez? Une fois que c'est bon, on a clipsé les yeux, on vient remettre toute la mousse qu'on avait sortie. Donc, on finira de remplir la tête un peu plus en avant dans le tutoriel, vous voyez. Donc là, il faut continuer les rangs que je vous avais dictés jusqu'à avoir en fait fini votre tête. À la fin, quand vous avez le dernier petit trou, vous savez, à la fin quand on termine la totalité de l'amigurumi, donc au rang numéro 28, on va venir remplir avec un tout petit peu de mousse pour compléter ce qu'on aura travaillé, vous voyez. Donc ici, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez le museau, faites-le un peu long, vous voyez, avec les mains. Donc là, vous avez ce que vous devez obtenir. Donc quand même, je vais venir vous mesurer ici, une fois rempli. Ici, on a 16 cm. Et en haut de la tête, si je fais tout le tour, 21,5. Vous voyez, 21,5. Voilà les mesures que vous devez obtenir. Donc maintenant, on reprend notre ouvrage et on continue. Jusqu'à arriver donc à la fin du rang numéro 28. J'ai terminé le rang 28, vous voyez, il y a un mini trou. Donc du coup, comme je vous disais, vous allez venir avec l'aide du crochet, venir combler ce petit trou, vous voyez. Une fois qu'on a fait rentrer donc ici la mousse, on vient couper le fil, tout simplement. Donc vous venez couper le fil et vous tirez. On va passer ce fil dans une aiguille à laine. J'ai passé le fil dans une aiguille à laine. Maintenant, ici, il nous reste 10 mailles. On va venir tout simplement passer en prenant le brin avant de chaque maille. On va passer l'aiguille. Vous voyez ? On ferme bien, le trou doit complètement disparaître. Une fois que c'est bon, on va venir faire un petit nœud. Donc là, il faut vraiment traiter que ce soit le plus discret possible. Vous piquez dans l'ouvrage, vous ressortez plus loin. Et vous allez venir couper. Donc on coupe le fil. Vous reprenez l'aiguille et vous replacez tout comme c'était. Vous voyez? Et là, on a la tête de complètement finie. Vous voyez? Donc maintenant, on va venir s'attaquer aux oreilles. On va venir s'attaquer donc aux petites cornes. Voilà, on va lui faire tous les détails du visage. On va passer maintenant aux petites cornes. Donc pour faire les petites cornes, vous allez venir faire un nœud coulant avec la couleur marron. On fait une maille en l'air pour le bloquer. Et on vient rapetisser un petit peu le nœud coulant. À l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
on vient serrer ce nœud coulant et on va passer au rang numéro 2 où on va faire que des augmentations. Donc dans la première de ces 6 mailles serrées qu'on avait fait, vous voyez, vous piquez et vous repartez ici avec une augmentation. Donc dans la première des mailles, 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, on fait notre deuxième. Dans la maille suivante, notre troisième. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Vous voyez, là j'ai terminé le rang 2. Comme d'habitude, moi je marque pas ici la première des mailles. Vous voyez, vraiment pour des tout petits rangs comme ça, je préfère les compter. Mais par contre, vous n'hésitez pas à marquer chaque fois le début du rang avec le marqueur. Hein. Donc maintenant, le rang numéro 3, on va faire tout simplement les 12 mailles serrées ici, individuelles. Donc vous piquez dans toutes les mailles et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on retrousse ce petit bol et on va passer au rang 4 qui va être donc le dernier avec cette couleur. Donc tout simplement, le rang 4, on fait que des diminutions. Donc on vient tout simplement faire que des diminutions, 6 au total. Pareil, je vais venir les compter pour ne pas mettre le marqueur. Donc 1, on se remet bientôt. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fini les 6 diminutions, vous voyez, ça doit vous faire comme une mini boule. Vous voyez ? Vous venez couper le fil, mais pas très long, hein, puisqu'on n'en a pas besoin pour coudre ni quoi que ce soit. Le fil du nœud coulant, vous pouvez le rétrécir un petit peu. Et maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on vient faire une maille coulée dans la maille suivante avant de tirer le fil. C'est vraiment pour égaliser, comme on travaille en spirale, vous savez, il y a toujours une petite démarcation. Maintenant, on fait une maille en l'air et on tire. Vous allez vous reprendre la couleur principale. Et vous allez voir qu'on va faire 4 rangs avec la couleur crème. Donc on vient s'accrocher peu importe où, hein, dans une des mailles. Vous voyez, on en a 6. Vous ramenez le fil, une maille en l'air et une maille serrée ici même. Vous voyez? Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée. Je viens chercher la suivante. Donc là, c'est minutieux parce que c'est tout petit. Donc là, la troisième. On tourne un petit peu comme on peut. On fait ici la quatrième. On tourne un petit peu notre cinquième. Et on tourne une dernière fois et on va faire notre sixième dans le seul petit trou qui nous reste. Ici. À partir de là, je vais choisir, donc j'ai choisi de travailler en spirale. Donc tout simplement, on repasse sur les mailles qu'il y avait déjà. Et moi personnellement, je compte là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Donc déjà les fils que je suis en train de cacher, je vais venir les couper. Parce que croyez-moi que c'est embêtant.
Là, j'ai refait les 6 et il me reste encore un tour. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et on va faire, attendez que je pique bien correctement, notre sixième. Comme ceci. Donc, une fois qu'on a ce résultat-là, vous voyez, regardez, ici j'en avais déjà fait en avance. Donc, les quatre rangs, vous voyez comme ici. Quatre rangs, quatre rangs. Une fois que c'est bon, ce qu'on fait, c'est que on vient faire une maille coulée dans la maille suivante. Ça, c'est vraiment, en fait, pour faire en sorte que la finition, comme je vous disais, chaque fois qu'on travaille en spirale, il y a un décalage pour qu'on le voit moins. Vous coupez un bon morceau, on va devoir coudre les petites cornes à la tête et on tire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplir ici le bout, comme on peut, vraiment. On vient prendre vraiment une quantité minime de mousse. Et on va venir avec une aiguille à laine avec le gros trou ou quelque chose de plus, un peu plus épais que l'aiguille à laine et que le moins épais que le crochet, vous voyez, enfoncer cette mousse à l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez, ça rentre, hein, c'est juste l'histoire de 8 minutes. Donc, une fois que vous l'avez bien enfoncé, il faut vraiment que ce soit dans la partie marron. Vous voyez, juste à peine, hein, vraiment que ça tient un peu debout, c'est que c'est bon. Vous voyez, tout simplement. Vous allez en faire une deuxième à l'identique. On va commencer donc les oreilles en faisant un nœud coulant, comme d'habitude. On vient le fixer avec une maille en l'air. Et dans ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc une, deux, trois, quatre, cinq et 6. On vient serrer ce nœud coulant complètement et on va venir passer au deuxième rang, donc tout en spirale. Hein. On vient piquer dans la première de ces 6 mailles en l'air, de ces 6 mailles serrées, pardon. Donc ici que je calcule bien, elle est ici. Donc là, toujours pareil, la première, c'est un peu plus difficile au rang numéro 2, mais après c'est trop facile. Donc ici, dans cette maille-là, on vient faire une maille serrée individuelle. Vous venez la marquer. Et maintenant, on va faire que des mailles serrées individuelles dans toutes les autres mailles. Donc au total, on aura toujours 6 mailles serrées à la fin de ce rang. Donc ça va vous faire comme un petit bol qu'il va falloir retrousser. Donc vous pouvez le retrousser dès maintenant. Quand vous avez fait pas trop de mailles serrées, ce sera beaucoup plus facile. Vous voyez, vous le retroussez. Une fois qu'on a fait les 6 mailles serrées, on enlève le marqueur et on va passer au rang 3. Donc le rang 3, on va venir faire tout simplement que des augmentations. Donc là où il y avait le marqueur, on commence 2 mailles serrées dans la même maille. La première de ces deux, vous venez la marquer avant d'oublier. Et vous allez venir faire une augmentation dans toutes les mailles. Une et deux mailles serrées. Je passe à la maille suivante et je fais la même chose. Donc une et au même endroit, une deuxième maille serrée. Dans la suivante, c'est reparti. Une et deux mailles serrées. Là, ça va complètement détendre votre travail, hein, vous allez voir. Je fais dans la suivante maille, pareil, une augmentation. Et il m'en reste une avant de terminer, où je fais également une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Maintenant, on enlève le marqueur et on a 12 mailles serrées. C'est 12 mailles serrées. Dans le rang numéro 4, on va venir les faire individuels. Donc ici, j'ai le petit fil qui me gêne. Donc une, je vais les compter pour ne pas mettre le marqueur. Hein. Donc une, deux, trois, quatre, cinq six, sept, huit,
9, 10, 11, et on va faire notre 12e maille serrée. Et là, on a complètement fini le rang numéro 4. Maintenant, le rang numéro 5. Donc là, comme j'avais pas de marqueur, on n'a pas besoin de l'enlever. On fait une maille serrée individuelle tout le long. Donc une maille serrée individuelle que l'on marque. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une. Et dans la maille suivante, une deuxième maille serrée dans la même maille. Et on répète ça. Donc ici, de nouveau la même séquence. Une maille serrée individuelle. Et on fait une augmentation. Et de nouveau, une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Encore une fois, donc une maille serrée, une augmentation. Et la dernière, une maille serrée, une augmentation. Là, on a 18 mailles serrées. Maintenant, le rang 6, vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. Vous voyez? Donc, on commence. Je vais les compter pareil. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la 18e maille serrée individuelle. Là, on a complètement fini le rang 6. Maintenant, le rang 7, on va venir répéter cette séquence-là tout le long. Une maille serrée individuelle. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, on soulève le bras avant des deux mailles suivantes. Et on fait notre diminution. Donc, la première maille serrée que vous avez fait avant votre diminution, marquez-la, c'est la première du rang. Maintenant, on continue en répétant toujours la même chose. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. De nouveau, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, donc là, le marqueur, il me dérangeait. Donc une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Comme ceci. Maintenant, après ça, le rang 8 et le rang 9, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous avez obtenues individuelles. Donc, on enlève le marqueur et vous travaillez normalement. Mon astuce, comme il y a deux rangs avec, en faisant les 12 mailles serrées, c'est que moi, personnellement, je ne mets pas le marqueur. Je compte jusqu'à 24. Vous voyez? Et c'est comme si j'avais fait les deux rangs avec le marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la 24e maille serrée. Donc du coup, c'est bon, j'ai mes deux rangs de terminés. Maintenant, le dernier rang qu'il nous reste à faire, c'est pas être très simple. On va faire 6 diminutions. Donc, on soulève le bras avant des deux mailles suivantes et on fait notre première diminution. Maintenant, on va faire notre deuxième, toujours pareil. Maintenant, on fait la troisième. Je fais maintenant la quatrième. Notre cinquième, donc ici, et je fais ma sixième pour terminer. Une fois qu'on a fait nos six diminutions, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez mettre le marqueur dans la première des diminutions. Moi, je préfère les compter. Quand je fais un amigurumi, moi, personnellement, quand je suis sans la caméra, j'utilise très rarement, vraiment, s'il y a énormément de mailles, pour pas me perdre. Mais sinon, vraiment, j'utilise jamais le marqueur. Je compte en fait, et ça devient automatique dans ma tête. Donc, je coupe maintenant un bon morceau,
et vous avez juste qu'une chose à faire, c'est venir faire une maille coulée, vous voyez, un petit peu plus loin, vraiment vous attrapez une, vous voyez, une maille, et vous faites une maille coulée. Ça c'est vraiment juste histoire de bien finir. Une maille en l'air et vous tirez. Cette oreille-là, vous voyez, au moment de la mettre, on va venir ici faire une petite pression pour qu'elle reste comme ça dans cette forme. Vous voyez? Donc vous en faites deux à l'identique. On va passer maintenant au corps. Donc on commence en faisant un nœud coulant. On va venir le fixer avec une maille, vous voyez. On le rétrécit un petit peu, comme ça on va être très très bien au moment de travailler. Et on va commencer en faisant 6 mailles serrées dans ce nœud coulant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir fermer ce nœud coulant complètement. Et on va venir ici commencer le deuxième rang directement parce qu'on va travailler en spirale. Donc ici, dans la première des 6 mailles, on pique. Donc ici, on attrape bien. Et on fait une augmentation. Une et au même endroit, une deuxième maille serrée. La première de ces deux, vous venez la marquer puisque c'est la première du rang. Maintenant, on continue en faisant dans chaque maille une augmentation. Comme ceci. Vous voyez, là j'arrive à ma dernière. Comme ceci. Maintenant, on passe au rang 3. On enlève le marqueur et on va venir faire une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Une maille serrée individuelle, dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez? Donc ici, on vient marquer donc la première maille serrée du rang. Et on continue en répétant cette même séquence tout le long. Une maille serrée, dans la maille qui suit, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille qui suit, une augmentation. Jusqu'à terminer complètement le rang. Vous voyez? Là, j'ai terminé le rang. On enlève le marqueur, on passe au rang 4, où on va venir répéter tout le long ceci. Deux mailles serrées individuelles, et dans la maille qui suit, une augmentation. Je viens marquer la première des deux mailles serrées individuelles. Et on continue tout le long de cette manière. Une, deux mailles serrées, dans la maille qui suit, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout le rang. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le long. Et vous allez avoir 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation tout le long. Et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation tout le long. Et vous aurez 48 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 13, vous allez travailler les 48 mailles serrées individuelles. Et là, on se retrouve. Donc, je vous dicte, c'est toujours pareil, les amis gouloumiens. Donc, je pense quand même que vous savez les faire. Donc, du coup, voilà. Donc, vous continuez, on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 13. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, le rang numéro 14. On va venir répéter toujours la même chose, donc cette séquence. On va faire 6 mailles serrées, donc la première des 6, vous la marquez. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant vous faites une diminution. Et de nouveau, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Vous voyez? On va venir répéter ça tout le long jusqu'à terminer. J'ai complètement terminé. Vous voyez? J'ai répété toujours la même chose. 6 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. Maintenant, le rang 15, 16 et 17, vous allez faire les 42 mailles serrées individuelles. Tout simplement. Ensuite, donc, je vais vous dicter le reste. Le rang numéro 18, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. Et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang 19, 20 et 21, vous allez faire les 36 mailles serrées individuelles. Le rang 22, vous allez faire 4 mailles serrées, une diminution, tout le long, et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang 23, 24 et 25, vous allez faire les 30 mailles serrées individuelles.
Le rang 26, vous faites 3 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 27, vous faites 2 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 18 mailles serrées. J'ai complètement fini le rang 27, maintenant le rang 28 à 36, vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. J'ai complètement fini, donc le rang numéro 36, maintenant on va venir tirer et couper. Comme ceci. Vous voyez, le fil assez long pour pouvoir coudre ensuite le corps à la tête. Et maintenant, on va venir remplir le corps. Donc, comme je vous dis à chaque fois, il ne faut pas trop remplir parce que si on voit la mousse à travers les mailles, même si c'est un peu, c'est que l'amigurumi il est complètement raté. Donc, petit à petit, c'est le secret en fait, hein. Petit à petit, vous remplissez. Et il ne faut vraiment pas qu'on voit la mousse. Mais en même temps, il faut que ça reste ferme. Parce que si ce n'est pas assez rempli, c'est pareil. C'est exactement comme si on le remplit trop. Donc, on continue ainsi. Donc, j'ai fini de remplir tout ce qui est le corps, vous voyez. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, ici, remplir le cou d'une façon que, au moment de coudre la tête, il va rester bien stable. On va passer maintenant au pied. Donc pour faire le pied, vous faites un nœud coulant, comme pour faire le bras. Vous venez donc fixer ce nœud coulant avec une maille en l'air, comme ceci. Et à l'intérieur de ce petit nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. Vous voyez? Une fois que vous avez les 6 mailles serrées ici, vous venez serrer le nœud coulant bien fort et vous allez venir travailler en spirale. Donc, prenez un marqueur parce qu'on va travailler en spirale. Le deuxième rang, on va faire que des augmentations. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les mailles, donc je pique dans la première et je fais ici 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, une. Au même endroit, je pique et j'en fais une deuxième. Je vais dans la maille suivante et pareil. Une et deux. Vous voyez, là, j'ai deux augmentations. Marquez bien la première maille serrée du rang. Là, on fait une troisième maille serrée. Donc, deux mailles serrées dans la même maille, une troisième augmentation. Je fais une quatrième augmentation. Une cinquième. Et une sixième. Une et deux. Vous voyez? Comme ceci. Là, j'ai terminé le rang numéro 2. J'ai pas mis le marqueur parce que, vu que je compte, ça vient en même. Mais si vous voulez pas compter, par exemple, que vous avez peur de vous perdre, vous mettez le marqueur. Donc maintenant, le rang numéro 3. On va répéter 6 fois cette séquence-là. Une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, on fait donc une augmentation. Si je pique correctement, bien sûr. Donc dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez, là, je l'ai fait une fois. Une maille serrée, une augmentation. Une fois. Je le fais une deuxième fois. Une maille serrée. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une troisième fois. Une maille serrée, une augmentation. Une quatrième fois. Une maille serrée, une augmentation. On le fait une cinquième fois. Une maille serrée. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une sixième fois, une maille serrée, une augmentation. Vous voyez? Là, on a terminé le rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4, on va répéter cette séquence. Deux mailles serrées, donc une et deux. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez? Cette séquence-là, il faut la répéter 6 fois au total. Donc, si vous avez peur de vous perdre, vous marquez la première des mailles serrées individuelles qui est juste à côté, ici. Vous aviez fait deux mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc maintenant on continue. Une, deux et une augmentation. De nouveau, une, deux, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à terminer le rang.
J'ai complètement fini de répéter le rang numéro 4. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 5. Où la séquence qu'on va venir répéter, ça va être 1, 2 et 3 mailles serrées. La première de ces 3, vous la marquez, c'est la première du rang. Et maintenant, on continue en faisant une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer complètement le rang numéro 5. J'ai complètement fini le rang numéro 5. Donc, tout d'abord, on coupe le fil, on enlève le marqueur et on va venir faire, vous voyez, une maille coulée dans la maille qui suit, là où il y avait le marqueur. Vous faites une maille coulée et on peut faire une deuxième à côté, sans aucun souci. Et maintenant, une maille en l'air et on tire. Ensuite, ce fil-là, il faudra le cacher le plus joliment possible. Mais de toute façon, ça va être la partie qu'on va venir, voyez, mettre en dessous au moment de coudre la pâte. Donc maintenant, on reprend notre fil et on va venir en fait s'accrocher en travaillant sur le brin arrière de chaque maille, comme on avait fait pour le bras. Donc on vient choisir une maille. Donc ici, c'est là où j'ai coupé. Je viens au moins 3 mailles avant. Je viens ici. Je me rattache avec une maille. Je mets les fils à gauche et je viens faire en fait des mailles serrées en prenant le brin arrière. Donc une, deux, ici je vais en faire une troisième en prenant le brin toujours arrière, une quatrième, une cinquième, comme ça jusqu'à avoir les 30. Donc vous prenez toujours les brins arrière. J'ai complètement fini le rang, voyez. Maintenant, ce qu'on va venir faire, donc, c'est faire le rang 7, normalement, avec les 30 mailles serrées. Donc, on vient piquer dans la première des mailles serrées, et ici, on commence le nouveau rang. Donc, on travaille en spirale. On fait la première des 30, et on la marque. Et maintenant, on continue avec une maille serrée individuelle dans toutes les mailles. J'ai terminé de faire tout mon tour avec les 30 mailles serrées. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 8, où on fait 3 mailles serrées individuelles. Donc, on fait notre première, la deuxième et la troisième. On marque la première des 3. Et maintenant, on fait une diminution. Donc ici, on soulève le brin avant des 2 mailles suivantes et on fait une autre diminution. Et on recommence. 1, 2, 3. Et maintenant, on fait de nouveau une diminution. Et on répète ça jusqu'à terminer. Vous voyez, on va avoir 24 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Et là, on fait une diminution. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. 1, 2, 3. On fait une diminution. Donc, qui va être là, la dernière. Comme ceci. Vous voyez, là, j'ai complètement fini le rang en répétant toujours la même chose. Donc, le rang 8, 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer donc au rang numéro 9. Donc, le rang numéro 9, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, on fait la première et on la marque. Maintenant, on fait une deuxième. Et là, on fait une diminution. Donc, on continue, vous voyez, de diminuer. Vous voyez, donc on va répéter ça tout le long. Deux mailles serrées. Une, deux, une diminution. Une diminution. Une, deux. Là, je vais faire ma dernière diminution. Comme ceci. Vous voyez? Et là, on a 18 mailles serrées. Maintenant, le rang 10 et le rang 11, on va faire les 18 mailles serrées tout à fait normalement, individuelles. Vous enlevez le marqueur et vous faites que des mailles serrées individuelles. Donc, on commence. Ici, où il y avait le marqueur, la première des 18, on la marque. Maintenant, on continue à travailler, comme je vous disais, en mailles serrées individuelles. Donc, les 18 et à la fin de ce rang,
Vous enlevez le marqueur, vous commencez le rang suivant avec toujours les 18 mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai complètement terminé, vous voyez, de faire mes deux rangs d'affilée en faisant les 18 mailles serrées. Donc déjà, je vais venir couper le fil du nœud coulant parce que là, j'en ai plus du tout besoin. Et ce qu'on va faire également, c'est venir couper le fil avec lequel on travaille. Puisque là, vous savez, on va entamer, en fait, vous savez, la petite partie où on fait deux rangs de couleurs différentes. Donc là, on va faire deux mailles coulées, vous voyez, histoire d'égaliser bien la chose. Donc une et une deuxième. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air et on tire. Et ce fil-là, on va venir le cacher maintenant en travaillant, vous voyez. Donc là, on a le bout du sabot, vous voyez, de la patte, terminé. On va venir maintenant s'accrocher. Donc vous venez en fait piquer dans une des mailles, donc peu importe laquelle. Vous venez chercher votre nouvelle couleur. On fait une maille en l'air, ici même une maille serrée. Et maintenant on va commencer donc à travailler sur les mailles serrées. Vous voyez, vous faites une maille serrée individuelle sur toutes. Donc la 3, 4, 5, 6, 7. Là, je coupe mes morceaux. Je les ai assez cachés. Et je continue à travailler. 8, 9, 10. Comme ça, jusqu'à avoir les 18. 17 et la 18e. Et maintenant, on a juste qu'une chose à faire, c'est venir faire une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air et on coupe cette couleur, on n'en a plus besoin. Et on tire. Maintenant, on va passer à la deuxième couleur que vous avez choisie. Donc moi, rappelez-vous, comme pour le bras, hein, c'est la même chose, j'avais choisi la couleur camel. Donc je viens prendre la couleur camel. Je viens me rattacher. Donc ici même, vraiment, où j'ai coupé. Je ramène mon fil, une maille en l'air et je fais une maille serrée ici même. J'ajuste un petit peu et je commence à travailler les 18 mailles serrées de nouveau avec la nouvelle couleur. Et là, pareil, hein, une fois que vous avez caché un bon moment les petits fils, vous les coupez. Comme ceci, vous voyez là, je fais pas mal de mailles serrées, on peut venir s'en débarrasser. Et on continue jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai complètement fini de faire mon tour, maintenant on vient à la première des mailles serrées. On fait notre maille coulée et on fait une maille en l'air. On coupe. Donc on coupe cette couleur là et on tire. On ajuste bien et c'est reparti. On va pouvoir s'accrocher avec la couleur principale. Et continuer à travailler donc notre pâte. Je me suis préparé une petite boucle, vous voyez, avec la couleur principale. Donc je vais venir me rattacher. Ici, je vais glisser la petite boucle. Et à partir de là, en fait, je vais travailler 4 rangs d'affilée. Donc ça va être très simple, ça va être le rang 14, 15, 16, 17. En faisant les 18 mailles serrées. Une maille en l'air. Ici même où je viens de m'accrocher, donc vous venez et vous faites votre première maille serrée. Et ensuite, dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée. Donc rien de compliqué. Tourne un petit peu. Et on continue les 18 mailles serrées. Le rang numéro 18, on reprend notre ouvrage et on va répéter tout le long cette séquence. Une maille serrée individuelle que vous venez de suite marquer. Et maintenant, vous faites une diminution. Donc, vous prenez le brin avant des deux mailles suivantes et vous faites votre diminution. Donc, vous répétez ça tout le long. Une maille serrée, une diminution. Jusqu'à terminer. J'ai complètement fini. Vous devez avoir 12 mailles serrées. Vous voyez, le trou, il est vraiment tout petit. Maintenant, le rang 19, vous allez faire les 12 mailles serrées individuelles. Donc vous faites dans toutes les mailles que vous avez devant vous, une maille serrée individuelle.
Donc là, je vais les compter pour ne pas mettre le marqueur. 2, 3, 4 et 12. Vous voyez, là, j'ai terminé le rang 19. Le rang numéro 20, on va faire tout le long cette séquence. Une maille serrée individuelle, donc marquez là. Et maintenant, vous faites une augmentation dans la maille suivante. Vous voyez? Et cette séquence-là, on va venir la répéter tout le long. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée, dans la maille suivante, une augmentation. Jusqu'à terminer. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Et là, on a de nouveau les 18 mailles serrées. Vous voyez? Là, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est le genou. Donc maintenant, ici, on enlève le marqueur. On va passer donc au rang 21. Le rang 21, 22, 23, 24 et 25, c'est très simple. Vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Le rang numéro 26, on va faire tout le long une maille serrée individuelle qu'on va venir marquer. Et maintenant, vous faites une diminution. Et on répète ça jusqu'à terminer. Une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Vous voyez, comme ceci, ça rétrécit vraiment la jambe. Maintenant, on va faire le rang 27 et 28 en faisant les mailles serrées, donc les 12, individuelles. Et on aura terminé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 12. Vous voyez? Et là, de nouveau, c'est reparti avec les 12 mailles serrées du rang 28. 1, 2, 10, 11. Et 12. Et là, j'ai fini le rang numéro 28. Une fois que c'est bon, vous allez venir couper votre fil. Un bon morceau, hein, parce qu'on en a besoin pour coudre ensuite la jambe au corps. Vous faites une maille coulée dans la maille suivante, juste pour que ça passe plus droit, vous voyez. Une maille en l'air et vous tirez. Vous allez venir vous prendre de la mousse et on va venir remplir donc la petite patte. J'ai pris ma mousse et maintenant, on va venir remplir, donc avec le manche du crochet, c'est très facile, puisque 12 mailles serrées, ça fait quand même, vous voyez, on peut passer un doigt, ça fait quand même un bon espace, et on va venir petit à petit mettre notre ouate à l'intérieur. Donc vous poussez vers le sabot, exactement comme le bras. Le sabot ici, la partie là, doit rester le plus plate possible, vous voyez, comme ceci. Surtout pas que ça fasse ça, parce que sinon c'est vraiment raté, il n'y aura aucune forme de sabot. Donc on continue maintenant, une fois qu'on a rempli le sabot, petit à petit, donc ça c'est vraiment très important, il faut vraiment prendre son temps. J'ai terminé de remplir, donc que je vous explique un petit peu. Ici en bas, le sabot bien dur, mais ici la mousse, voyez, vous faites ça, il faut vraiment qu'elle reste droite. Ensuite, ici bien rempli également. Par contre, ici, où il va y avoir le corps appuyé dessus, vous voyez, rempli jusqu'à la moitié, un petit peu, et tout le reste vide. Voilà comment vous devez remplir cette patte. Puisqu'au moment, en fait, de placer le corps, vous voyez, par-dessus, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça commence à se déformer, en fait. Ça, ça va faire, en fait, le corps, il va être instable complètement, et du coup, il va faire que tomber. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit presque pas ici, vous voyez, comme ça, au moment de coudre le corps, ça restera parfaitement avec la tête et tout. Donc voilà, là vous avez fini une patte. Donc ce que vous allez faire, c'est en faire une deuxième à l'identique. Et on se retrouve. On va venir maintenant faire les pattes. Donc les pattes niveau bras, vous voyez. On va en faire deux pareilles. On va commencer avec cette couleur-là, donc qui est absolument magnifique, ce marron. Ensuite, on va passer, donc on va faire deux rangs de la couleur que vous avez envie. Donc moi, j'ai voulu faire des couleurs comme ça, ben, dans le thème de la girafe. Mais vous pouvez très bien faire des petits détails fantasy, hein, rose fuchsia ou rose normale, ou pêche, etc. Vous voyez, vraiment, laissez-vous aller au niveau de ces deux rangs. C'est ce qui donne en fait le petit peps à la girafe.
Donc, une fois qu'on aura fait ces deux rangs, on repassera la couleur principale de la girafe. Vous voyez? Donc, on va commencer en faisant un nœud coulant. Donc ici, on fait un nœud coulant et on vient le fixer, vous voyez, avec une maille. Donc on passe ici, vous voyez, le crochet sous la première boucle, on récupère la deuxième et on vient fixer ce nœud coulant. Maintenant, dans ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va venir fermer ce nœud coulant complètement et on va venir travailler ici en spirale. Donc, munissez-vous d'un marqueur, voyez, pour marquer toujours la première maille de tous les rangs. Donc, une fois qu'on a fait ces 6 mailles serrées, on vient piquer dans la première des 6, qui va être un petit peu serrée, vous allez voir. Donc, vous la détendez comme ça, petit à petit. Une fois que vous avez piqué dans la première des mailles, vous venez récupérer le fil, le sortir. Et on va commencer directement le deuxième rang ici. Donc, en faisant une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? La première de ces 2 mailles marquée là, puisque c'est la première du rang. Maintenant, dans la maille suivante, on pique et on fait de nouveau une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, de nouveau, 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez, au total, on va faire 6 augmentations. Donc là, je suis en train de faire ma dernière. Dans toutes les mailles, 2 mailles serrées dans la maille. Vous voyez? Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer au rang numéro 3. Donc, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée individuelle. Donc, la première, je l'ai faite là où il y avait le marqueur et vous devez tout de suite la marquer. Maintenant, dans la maille suivante, vous venez faire une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, 1 maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. Vous voyez, c'est la séquence qu'il vous faut répéter. 1 maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. On va poursuivre ainsi jusqu'à terminer tout le rang et on aura 18 mailles serrées. J'ai terminé complètement tout mon rang. Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer au rang donc numéro 4 où on va venir faire 2 mailles serrées individuelles. Donc la première, la deuxième. La première de ces deux, vous allez venir la marquer puisque c'est la première du rang numéro 4. Maintenant, dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Et on va répéter ceci jusqu'à terminer. 2 mailles serrées et dans la maille qui suit ici. 2 mailles serrées. 1 et 2. Et de nouveau, 1, 2, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète ça. 1, 2, dans la maille qui suit, une augmentation. 1, 2, dans la maille qui suit, une augmentation. De nouveau, 1, 2, et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez, j'ai répété ça, donc la même séquence, 6 fois au total. Maintenant, on enlève le marqueur et on passe au rang numéro 5. Donc ici, on va venir faire que des mailles serrées, mais en prenant les brins arrière de toutes les mailles. Pour cela, ce que je vais venir faire, c'est que d'abord, je vais venir faire une maille coulée dans la maille qui suit. Vous voyez, pour que ça fasse moins choquant. Et maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe ce fil-là. Donc, on va venir couper, comme je vous disais, et tirer. Vous voyez? Et en fait, maintenant, on va s'accrocher dans la partie de derrière de chaque maille. Vous voyez? Et on va venir travailler en prenant les brins arrière. Ça va donner un petit relief. Ça va délimiter en fait le petit sabot. Donc maintenant, on reprend donc notre fil. On vient s'accrocher genre 3 mailles avant de là où on a coupé. Et on va venir, comme ceci, j'ajuste un petit peu. Et je viens faire une maille en l'air. En même temps, je cache le fil. Donc tous les fils, je vais venir les cacher. Ici même où je me suis accrochée et où j'ai fait la maille en l'air, vous venez piquer, vous faites une maille serrée. C'est la première du rang.
Maintenant, on en fait dans la maille suivante en prenant toujours les bras arrière. Je fais maintenant ma troisième. Je passe en bas là, ici, et je fais ma quatrième. J'ajuste toujours mes fils pour que ça fasse très joli le résultat. Donc là, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, quand on a caché pas mal de temps les fils, vous voyez, comme ils nous embêtent, on les coupe. Et là, on peut continuer à travailler tranquillement. Donc là, donc je vous disais qu'on en avait 7. On fait une 8e. Une 9e. J'ai terminé tout le tour. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc 24 mailles serrées. Maintenant, on va retravailler en spirale ici. Donc on pique dans la première des 24. Et on va venir les travailler donc individuellement. 1, 2, 3, 10. Donc déjà la première, n'oubliez pas de la marquer. Hein, puisque moi, j'ai oublié. Donc ici. On vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, c'est ça. Donc, on continue à travailler en maille serrée individuelle jusqu'à terminer. J'ai terminé tout le rang 6, vous voyez, en travaillant les mailles serrées individuelles. Maintenant, on enlève le marqueur. On va passer au rang numéro 7, où on va venir faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, une dans la maille suivante. Une deuxième, la première de ces deux marquée là, et maintenant on fait une diminution, donc on soulève le brin avant des deux mailles suivantes, voyez, je passe mon crochet dans le brin avant, je pivote un petit peu, je passe dans le brin avant de la maille suivante, je ramène le fil et je termine, voyez, là j'ai fait une diminution. Donc ça c'est la séquence qu'il faut répéter tout le long, une et deux mailles serrées. Et là, on fait une diminution. De nouveau, une, deux, une diminution. Et c'est reparti. Une, deux, une diminution. Une, deux, une diminution. Une, deux. Et ma dernière diminution. Vous voyez, là j'ai complètement fini le rang numéro 7. Maintenant le rang numéro 8 et le rang numéro 9. On va venir travailler les 18 mailles serrées qu'on a obtenues, individuelles, tout simplement. Donc vous venez là où il y avait le marqueur, vous faites la première des 18 et vous venez la marquer. Et maintenant dans chaque maille, une maille serrée individuelle, donc vraiment très facile. J'ai terminé le rang, donc le rang 8. Maintenant, le rang 9, c'est le même. Vous enlevez le marqueur, vous voyez. Et on fait que des mailles serrées individuelles. Donc, la première, là où il y avait le marqueur, quand vous avez fini de la faire, vous la marquez de suite. Et maintenant, on continue en faisant les 18 mailles serrées. Vous voyez? J'ai terminé complètement le rang numéro 9. Maintenant, vous prenez les ciseaux et on va venir couper. Vous voyez? Le fil, et on va venir enlever le marqueur. Vous faites dans la maille qui suit une maille coulée pour que ça fasse moins choquant en fait le décalage, une maille en l'air et vous tirez. Et maintenant on doit faire les deux rangs, donc de couleurs ici, vous voyez, une, deux. Donc moi personnellement j'ai choisi de prendre d'abord le jaune, donc on vient se rattacher. Va venir se rattacher dans la première des mailles. On fait donc, dans mon cas là, je vais faire une maille en l'air d'abord que j'ajuste. Ça forme une petite boucle et je vais la faire glisser. Maintenant, une maille en l'air. Je mets tous mes fils dans ma main gauche et comme ça en même temps, on va venir les cacher. Donc ici même, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Une maille serrée, vous voyez, que des mailles serrées individuelles. Et là, c'est pas la peine de mettre le marqueur parce que comme c'est d'une autre couleur, on ne peut pas passer à côté. Hein. Quand vous voyez
voyez que vous avez caché les petits morceaux de fil un bon moment, n'hésitez pas à les couper, parce qu'à part, vous embêter là tout de suite, c'est tout ce que ça fait. Donc vous les coupez à ras et vous venez continuer. Quand vous avez terminé, vous venez faire une maille coulée dans la première des mailles, donc des 18. Vous voyez, vous piquez, maille coulée, une maille en l'air et on coupe. Ce petit décalage qui reste, ne vous inquiétez pas, on va le mettre ensuite. Ce sera en fait la partie qu'on va venir plaquer au niveau du corps et qu'on ne va pas voir du coup. Vous voyez ? Maintenant, on vient prendre la deuxième couleur qu'on a choisie. Donc moi ici, ça va être la couleur camel. Donc je viens prendre la couleur camel. Je fais une maille en l'air d'abord, mais ça c'est vraiment optionnel. Et vous vous accrochez dans la première des mailles. Vous venez récupérer la boucle et vous faites une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Et maintenant, pareil, que des mailles serrées individuelles. Ne marquez pas la première des mailles, puisque comme c'est une autre couleur, on ne peut pas rater la première des mailles serrées. Vous voyez, c'est impossible. Pareil que tout à l'heure, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, et on vient couper. Et vous tirez. Vous voyez ? Donc, maintenant qu'on a fait ceci, vous voyez ? Là, vraiment, la seule chose qu'on va venir faire, c'est travailler jusqu'à la fin de la pâte avec la couleur principale. Donc du rang numéro 12 jusqu'au rang numéro 16, on va venir faire tout simplement que des mailles serrées individuelles. Donc ici, rattachez-vous deux mailles avant la fin, vous voyez, ça fera toujours plus net. Une maille en l'air et on fait que des mailles serrées. Donc ici même, ma première. Et après, je vais venir travailler, vous voyez, en mailles serrées individuelles. Donc ici, les fils me dérangent. Je vais venir les couper. J'ai terminé le rang. Donc, quand vous terminez le rang, vous commencez directement le suivant. Vous voyez ? Donc, le rang 13, vous le commencez directement ici, en spirale. Et là, oui, comme on commence le deuxième rang de la même couleur, marquez la première maille. Et on continue à travailler toutes les mailles serrées individuelles. Donc ensuite, après le rang numéro 13 qu'on est en train de faire, vous ferez le rang 14, 15 et 16, toujours en faisant les 18 mailles serrées. Et on se retrouve. Le rang numéro 17, on va suivre cette séquence. Une maille serrée individuelle, que l'on vient marquer puisque c'est la première. Et dans la maille qui suit, une diminution. Vous voyez, on va venir suivre cette séquence-là tout le tour. Donc une maille serrée individuelle. Et maintenant, vous faites une diminution. Et de nouveau, une maille serrée individuelle, une diminution. Une maille serrée individuelle et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée et une diminution pour terminer. Vous voyez ? Là, on a 12 mailles serrées. Le rang numéro 18, donc on enlève le marqueur et on va venir faire les 12 mailles serrées individuelles. Donc, 1, je vais les compter, 2, 3, 4, vous voyez ? Comme je les ai comptées, je n'avais pas besoin de mettre le marqueur. Donc, une fois qu'on a terminé le rang 18, on va passer au rang numéro 19 où on va venir faire une maille serrée individuelle tout le long. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous voyez, la première des mailles serrées individuelles marquée là. Et on continue. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Et on répète. Une maille serrée. Dans la maille qui suit, une augmentation. Et c'est reparti. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Une et deux mailles serrées. Une maille serrée. Dans la maille qui suit, une augmentation. Et pour la dernière fois, une maille serrée. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Une et une deuxième. Comme ceci. Donc là, j'ai obtenu de nouveau 18 mailles serrées. Du rang numéro 20 jusqu'au rang numéro 25 inclus, vous allez travailler les 18 mailles serrées individuelles, vous voyez, en mettant bien le marqueur à chaque fois dans la première des mailles. J'ai terminé le rang numéro 25,
voyez. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 26, où on va faire une maille serrée individuelle, tout le long. Vous allez voir, donc déjà on la marque, c'est la première du rang. Et maintenant, on fait une diminution. Et de nouveau, on va répéter cette séquence. Donc une maille serrée, une diminution. 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 Une maille serrée et pour la dernière fois, ma diminution. Vous voyez ? Là, on a complètement fini, on a 12 mailles serrées. Maintenant, le rang 27, 28 et 29, on va venir faire ces 12 mailles serrées individuelles. Donc, on enlève ici le marqueur et on vient passer aux mailles serrées individuelles. On marque la première. Donc là, on en a déjà 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à avoir les 12. Ensuite, vous faites le rang 28 et 29 en respectant les 12 mailles serrées. J'ai terminé, voyez le rang numéro 29. Maintenant, on profite et on remplit avant que le trou soit trop petit. Donc, on remplit et on va venir céder du bout du crochet. Vous voyez, là, on peut encore passer le petit doigt. Une fois qu'on a mis pas mal de mousse, on l'a fait descendre avec le manche du crochet, vous voyez. Et très important, le sabot ne doit surtout pas être bombu. Vous voyez, il faut qu'il reste quand même plat. Comme ceci. Donc ça, vous faites très attention au moment de remplir. Donc une fois qu'on a fini de rembourrer, que je vous explique un petit peu. Ici, la partie, vous voyez, du haut du bras, il ne faut presque pas la remplir, puisque sinon vous allez avoir une girafe bonhomme de neige, vous savez, un bras de chaque côté tellement que c'est rempli, et ça va être affreux. Donc, ce qu'il faut, quand on fait comme ça les amigurumi, les parties comme ça, c'est pas trop abuser avec la mousse, vous voyez. Donc maintenant, une fois qu'on a cette partie-là bien rembourrée, on va venir tout simplement terminer la pâte en faisant 6 diminutions. Donc ici, je vais venir les compter sans mettre le marqueur. Donc on a la première diminution. On fait la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième diminution. Et on va terminer avec notre dernière diminution, ici. Comme ceci. Une fois que vous avez fini, vous avez jusqu'à faire une maille coulée dans la maille suivante, vraiment pour faire la finition plus jolie. Une maille en l'air, vous coupez un bon morceau de fil puisqu'on va devoir ensuite coudre le bras, voyez, et vous tirez, vous ajustez un petit peu et c'est complètement fini. Voyez, là vous avez un bras de complètement terminé, donc sa petite patte du haut, voyez. Là, j'ai 2 pattes à l'identique. Donc, vous aussi, faites vos 2 pattes à l'identique. Donc, ne remplissez pas trop. Hein, c'est vraiment une astuce que je vous donne. Ici, surtout au sabot, il faut que ça reste bien plat. Vous voyez? Donc, voilà. Vous terminez vos 2 pattes et on se retrouve. Pour faire les tâches, donc on va commencer donc par la plus grande tâche. Donc, on va venir faire avec la couleur très importante camel. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Après ces 8 mailles en l'air, on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième maille, on commence à travailler en maille serrée. Donc on va venir en faire 7. 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la dernière, vous faites votre 7e. Vous voyez ? Là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on retourne. On fait une maille en l'air et on va venir faire les 7 mailles serrées. Donc, sur les 7 mailles serrées qu'on avait, on fait une maille serrée par-dessus. 3, 4, 5, 6,
et on fait la dernière qui est la septième. Vous voyez ? On retourne, on va passer au rang 3, une maille en l'air. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une diminution. Donc, vous rentrez à travers la première maille serrée, vous ressortez. Vous rentrez à travers la deuxième maille serrée, vous ressortez. Et là, on termine tout ensemble. On fait 3 mailles serrées au centre. 1, 2 et 3. Et là, il vous reste 2 mailles serrées. Vous rentrez le crochet dans l'avant-dernière, vous ressortez le fil. Vous rentrez le crochet dans la dernière, vous ressortez le fil. Et vous fermez tout. Vous voyez ? Donc là, on a fait une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. On retourne. On fait une maille en l'air. Et là, il faut faire les 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez ? Maintenant, après ceci, vous allez venir couper le fil, une maille en l'air et vous tirez. Et là, on a terminé la plus grande tâche. Donc, de cette tâche-là, je ne vais pas vous dire combien en faire. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'attendre qu'on ait monté toute la petite girafe. Et tout simplement, une fois qu'on lui mettra, vous voyez, on saura s'il en faut 2 ou 3 ou 1, voilà. On va passer maintenant à la tâche moyenne. Donc, on fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va venir, ici, compter depuis le crochet, 1 et 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière, la sixième. On retourne, on passe au rang 2. Le rang 2, on va respecter les 6 mailles serrées. Donc une maille en l'air et on fait 6 mailles serrées. Donc 1, 5 et on fait notre sixième vraiment dans la dernière maille. Là, j'ai terminé. On retourne. On passe au rang 3 où on fait 3 diminutions. Donc une maille en l'air. On fait la première diminution, la deuxième diminution et notre troisième diminution. On retourne. On passe au rang numéro 4 où on fait une maille en l'air. Et là, vous allez faire une maille serrée individuelle et vous allez faire une diminution. Vous voyez ? Maintenant, vous faites une maille en l'air, vous coupez. Pareil, hein, toujours des bons morceaux parce qu'on va devoir coudre les taches ensuite. Et vous tirez. Vous voyez ? Là, on a terminé la tâche moyenne. Là, c'est pareil que pour la grande. Je ne peux pas vous dire exactement combien de tâches il faut faire. Il vaut mieux attendre d'avoir la girafe montée. Pour faire la petite tâche, on commence par monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on compte depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième maille, on commence à travailler en maille serrée. Donc, vous allez en faire 4. 1, donc 1, 2, 3 et on fait notre quatrième. Une fois qu'on a les 4, on retourne et on va faire une maille en l'air et les 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et on fait notre quatrième. On retourne. Et on va passer au rang numéro 3 où on fait une maille en l'air et on fait 2 diminutions. 1 et on fait notre deuxième diminution. Une maille en l'air, vous coupez et vous tirez. Et là, on a la mini tâche de terminer. On va passer maintenant à la queue, donc c'est pas la plus simple à faire. Hein. On fait un nœud coulant, vous savez, parce qu'elle est très simple, hein, c'est toujours 6 mailles serrées, 6 mailles serrées. Sauf que quand on fait des aussi petites parties, avec aussi peu de mailles en fait en continu, c'est un petit peu plus long que le reste. Donc une maille en l'air à l'intérieur, vous allez venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le nœud coulant complètement. Maintenant, on va venir piquer sur la première des 6, vous voyez comme ceci. Et on va commencer à travailler en mailles serrées individuelles. Donc en fait, dans les 6, on fait des mailles serrées individuelles sur chacune. Donc la 3, 4, 5 et notre sixième. Et vous allez voir que vous avez un petit bol, vous voyez,
Donc du coup, vous devez le retrousser. Donc ça, c'est très important pour avoir les mailles serrées du bon côté. Vous voyez, vous le retroussez, c'est facile. Hein, et vous continuez. À partir de là, dans chaque maille, vous faites des mailles serrées. Donc de nouveau, vous comptez les 6. Je ne vais pas mettre le marqueur quand c'est comme ça. D'ailleurs, une petite astuce. Quand vous faites par exemple une queue d'un amigurumi, vous voyez, et qu'il y a aussi peu de mailles, imaginez-vous à chaque fois mettre le marqueur. C'est insupportable quand c'est aussi petit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se pose pas de questions, on ne compte même pas. Basez-vous sur les centimètres. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mesurer la queue que j'ai déjà faite et je vais vous dire combien de centimètres il vous faut. Donc surtout, ne mettez pas le marqueur parce que sinon vous n'allez plus du tout vous en sortir. Donc vous faites que des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles. Et quand ça fera un bon petit morceau que vous travaillez avec les 6 mailles serrées, par exemple 3 cm, vous voyez, ou 2 cm, vous coupez le fil du nœud coulant. Vous tirez bien d'abord et après vous le coupez parce que là, il ne fait que des rangées. Donc on continue. Vous voyez, de cette manière, sans compter, ne vous prenez vraiment pas la tête. J'ai ici la queue, donc la queue très importante ne se rembourre pas. Donc là, elle est finie, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous la mesurer. Donc elle fait 8,5 cm. Vous pouvez aller jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. En fait, vous ne comptez pas, vous voyez. Vous continuez et jusqu'à avoir les 8 cm ou 9, voilà, c'est exactement pareil. Et ensuite, au bout, on mettra les petits poils. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tous les petits poils qu'on va devoir ajouter à la girafe. Donc, on va prendre le coton cuit, donc camel. Donc, vous prenez, vous voyez, et vous coupez des morceaux. Donc, approximatif 10 cm. C'est vraiment approximatif, hein, je ne suis pas en train de mesurer. Et on va devoir, en fait, dédoubler le tout pour faire des petits cheveux. Si on aurait mis directement... Vous voyez, sans le dédoubler, ça ne fait pas aussi joli, aussi travaillé, aussi vrai en fait, que si on le dédouble d'abord. Comme ceci. Donc une fois qu'on s'est préparé quelques brins, vous voyez, de toute façon, s'il en faut, on le refera par la suite. Vous prenez donc un brin et vous allez venir, vous voyez, le dédoubler doucement mais sûrement. Vous voyez, les tourner, donc vous... Vous enlevez fil par fil. C'est très rapide, hein, ne vous inquiétez pas, regardez. Hop, je continue ainsi. Jusqu'à avoir mes petits cheveux. Donc vous faites un petit tas, ça va vous prendre quoi? 5 minutes. Et après vous êtes tranquille pour décorer votre bébé girafe. Comme ceci, vous voyez. Donc là, il m'en reste encore quelques-uns, je le ferai après par la suite. Pour l'instant, on va faire avec ça. Donc vous prenez le bébé, donc ici, girafe. Vous allez venir lui placer donc les oreilles. Déjà, ça c'est très important. Avec des épingles, donc les cheveux, vous les mettez de côté. Vous avez vraiment tout là pour commencer à assembler. Donc on va passer maintenant à l'assemblage. Donc on va venir mettre les oreilles pour l'instant, c'est approximatif bien sûr, puisque tant qu'on n'a pas mis les cornes, etc., aidez-vous avec des épingles, vous voyez, pour ne pas vous tromper. Donc approximativement, vous placez les oreilles, ensuite vous venez prendre une corne, une deuxième. Vous voyez, là, je vois que j'avais tout mal mis. Ça prend du temps, ce genre de choses, mais il faut le faire pour avoir un joli résultat, parce que sinon, c'est pas du tout beau. Donc maintenant, on remet les oreilles. Donc les cornes doivent être un petit peu plus espacées, parce qu'on va mettre les cheveux entre les cornes.
Donc c'est maintenant qu'on a tout crocheté, qu'on va venir assembler, c'est pas le moment de se planter en fait au niveau de la couture, puisqu'après on va regretter en fait. Donc, vous allez, ensuite on va lui donner une expression aussi, je voulais vous le dire, pour pas que ça fasse trop fade. Parce que les amigurumis, quand on n'enfonce pas les yeux, ce qui se passe c'est que ça fait pas très joli. Alors que si on enfonce les yeux, ça fait vraiment réel comme nous. On a des yeux pas, ils sont en relief quoi, ils sont un petit peu enfoncés. Donc du coup, on va lui faire exactement la même chose. Tous les amigurumis que je fais, je leur donne une expression, vous voyez. Donc une fois que vous avez bien positionné, vous voyez, je vous laisse apprécier où j'ai mis à peu près, vous voyez les parties. Une fois que vous avez tout bien placé, vous allez prendre une aiguille à laine, vous placez ici une partie, donc les restes vous les laissez si vous pouvez avec les épingles, et on va venir commencer à assembler. Donc ça, vous le tenez bien correctement pour pas que ça bouge, et on commence à assembler. Donc une petite partie de la tête, et une petite partie de l'oreille. Une fois que vous avez donné le premier point de couture, vous enlevez l'épingle. Là, on n'en a plus besoin parce qu'on sait exactement où va aller l'oreille. Et maintenant, vous continuez jusqu'à avoir assemblé un petit morceau de l'oreille. Et très important, en fait, essayez de prendre les deux parties de l'oreille. Vous savez, les deux côtés. Juste au début. Pour faire, en fait, le petit pli. Vous remettez tout bien en place et vous continuez. Vous voyez, l'oreille ne doit pas être trop cousue non plus, vraiment un petit peu pour qu'elle tienne. Donc ensuite, vous pouvez très bien passer par derrière et lui donner également 2-3 points de couture ici, vous voyez. Pour vraiment la fixer sans déformer l'ouvrage. Prenez un petit morceau et vous fixez bien l'oreille. Si je vais refaire un tout petit morceau, il faut qu'elle reste en fait, qu'elle bouge, qu'elle puisse bouger l'oreille. Comme ceci. Maintenant, une fois qu'on a cousu l'oreille, on vient faire un petit nœud. Donc on s'accroche dans un petit endroit. On vient faire un petit nœud. Vous venez piquer. Vous ressortez plus loin. Encore un peu plus loin. Et on vient couper. Comme ceci. Avec l'aiguille à laine, remettez tout bien en place, tout ce qu'on a pu déformer avec l'aiguille en cousant. Vous voyez? Et là, vous avez une petite oreille de complètement cousue. Maintenant, ça va aller comme ça. On va s'attaquer maintenant, personnellement, je vais m'attaquer à la corne. Donc, je prends son fil. Et je vais commencer à assembler la corne pour qu'elle reste bien debout. Donc pareil, je prends un tout petit morceau de la tête et un tout petit morceau de la corne. Très important, vous devez vous appliquer parce que ces petits détails, si la couture est mal faite, eh bien ça se voit. Mais je suis sûre que vous allez y arriver. Vu les retours que vous m'envoyez sur Facebook, vous êtes vraiment doué. D'ailleurs, je profite là, je ne sais pas si tout le monde m'écoute, mais si tout le monde regarde cette vidéo, la vidéo et à ce moment-là, mais vous savez, je publie des photos en fait que vous m'envoyez sur Facebook, sur ma page. Et en fait, des fois, vos photos n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que je fais plusieurs albums, vous m'envoyez vraiment beaucoup de photos. C'est-à-dire que par semaine, j'ai dans les 300 photos qui arrivent. Et le souci, c'est que je ne peux pas publier tout d'un coup en fait, ça me prend beaucoup de temps.
Alors je fais petit à petit. Alors des fois, par exemple, une semaine, je vais ajouter plein de photos. Après, pendant 6 jours, j'en ajoute pas. Je prépare un autre album en fait pendant ce temps. Donc du coup, voilà. Si vraiment vous voyez qu'admettons votre message, il m'a échappé, n'hésitez pas à m'envoyer de nouveau le message avec vos photos. Hein. Il n'y a aucun problème, vous ne me dérangez pas du tout. Moi, quand je peux, je rentre à chaque fois et j'essaye de prendre toutes les photos, etc. Et vraiment, c'était un régal à chaque fois de voir vos photos. Donc voilà, là, j'ai cousu la corne. Vous voyez? Une fois que c'est bon, on va venir et on va faire un petit nœud, exactement comme on a fait, comme pour l'oreille. Vous attrapez un mini morceau. Vous faites votre petit nœud. Vous piquez dans l'ouvrage, vous ressortez bien loin. Vous voyez? Vous venez couper le fil. Et cette partie-là est complètement finie. Donc maintenant, on va venir continuer, en fait, tout simplement. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Basez-vous sur le côté gauche et comme ça, vous êtes sûr d'arriver à un joli résultat. Donc voilà. Vous allez venir coudre la deuxième petite corne et l'oreille. J'ai terminé de lui coudre donc les oreilles et les petites cornes. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement lui mettre les petits cheveux, que ça va tout changer, vous allez voir. Ensuite, on lui fera l'expression. Donc on reprend nos petits cheveux et on reprend donc le crochet. Vous voyez, j'ai repris mon crochet. Maintenant, on prend donc notre bébé girafe et on va venir attraper quelques brins de cheveux. Donc environ 4, vous voyez, 4 petits morceaux. Vous les mettez tous à la même hauteur à peu près. On les plie en deux. Et on va venir les passer en fait, fur et à mesure. Donc petit à petit, entre les deux cornes. Donc vous venez, vous le pliez en deux, vous attrapez, vous faites glisser une maille en l'air et vous tirez. Vous ajustez. Vous voyez, vous avez des cheveux. Donc là, vous allez voir que c'est bien trop long pour lui. Hein. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Après, on va venir lui faire une coupe de cheveux. Ce qui est important maintenant, c'est de lui placer tous les cheveux là-bas. Vous venez, vous prenez plusieurs brins. Une fois que vous avez mis des cheveux, donc ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, hein. On peut en rajouter autant qu'on en veut. Mais pour l'instant, on va venir lui raccourcir un petit peu. Et on coupe au-dessus des yeux, vous voyez à peu près. Maintenant ça, vous devez le décoiffer un petit peu. Donc déjà, rien que pour lui donner un petit air, vous voyez. Vous venez, n'hésitez pas à lui donner une jolie forme de coupe de cheveux. Ça doit être un petit peu plus court sur le côté qu'au centre. Ceci. Et là, vous voyez, il en manque. Donc ici, je vais lui en mettre encore. Et on se retrouve. J'ai terminé de lui mettre tous les cheveux, vous voyez. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous pouvez en mettre plus ou moins, selon vos envies. Vous voyez. Mais les girafes, ils ont comme une petite touffe là-bas. Donc voilà, ça fait beaucoup plus joli quand on a mis ça que si on ne l'aurait pas mis. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir lui faire l'expression. Donc on va profiter, on va le faire tout de suite. Donc on se passe le fil dans une aiguille à laine, on vient faire un nœud au bout et on va venir en fait passer le fil en dessous la tête. Comme ça au moment de coudre ensuite le corps, on verra plus ce nœud. Vous voyez? Donc vous visez vers là où va avoir le corps et vous ressortez collé à un œil. Une fois qu'on est passé, vous voyez à côté de l'œil, on va venir piquer à côté. Donc ici, et on va lui faire une petite paupière, vous voyez. Vous ressortez au même endroit vers le bas.
comme ceci, vous avez formé une mini paupière. Vous voyez, vous avez juste à passer le fil de là à là. Maintenant, vous ressortez en dessous l'œil, donc sur le côté en fait. Vous voyez là où on était rentré pour la paupière première fois. Et vous allez venir piquer juste à côté. Maintenant, vous ressortez en face, donc à côté, ici dans l'œil suivant. Pour enfoncer cet œil-là, vous voyez? Et vous recommencez. Vous venez ici, sur le côté de l'œil. On va lui faire la deuxième petite paupière. Vous ressortez vers le bas. Et vous lui formez la paupière. Une fois que vous l'avez fait la paupière également, comme de l'autre côté, vous voyez, vous regardez bien s'il lui faut un petit peu plus d'expression, mais là, l'œil s'est enfoncé tout seul. Vous voyez, elle a les yeux bien enfoncés, les yeux. Donc du coup, en bas, maintenant, pour maintenir cette pression, vous allez faire un petit nœud. Vous voyez, on vérifie, c'est bon. Et maintenant, on a juste qu'à cacher le fil à travers l'ouvrage. Et vous coupez. Le fil de départ avec le nœud, pareil, vous pouvez le couper, hein, ça ne bougera plus. Vous le recoiffez. Et vous avez donc le visage terminé. Je vais vous le rapprocher. Vous voyez les petites paupières, comme elles se forment, c'est trop mignon. En fait, ça lui donne un petit air tout chou comme ça. Voilà, donc je vous recommande vivement de le faire. Vous voyez? Maintenant, on va passer ici aux petites narines. Maintenant, on va lui faire, comme je vous disais, les narines. Donc, j'ai passé du fil donc de ce marron ici, dans l'aiguille à laine. Je passe par en dessous, très important, comme ça le nœud il va rester là-bas. Et je vais venir sortir, vous voyez, au museau. Et maintenant, on va lui faire donc les petites narines. On va lui faire un petit trait d'un côté, un petit trait de l'autre. Donc ici, je vais venir donc ressortir un petit peu plus vers le centre. Donc j'en rentre le premier et le deuxième rang. Et lui faire un petit, une petite narine ici. Donc j'encercle trois rangs et je tire. Vous voyez? Maintenant, je pique au même endroit et je saute un petit morceau, vous voyez, pour que les narines ne soient pas collées. Comme ceci. Vous voyez? Une fois qu'on a les deux narines et tout de fait, on vient piquer, ressortir vers le bas, par où on était rentré à la base. Vous voyez, même si ce n'est pas exactement au même endroit, ça n'a aucune importance, il va y avoir le cou là-bas. Vous tirez bien, vous remettez en place. Ici, vous remettez les narines si vous voyez qu'elles sont un peu bougées ou quoi que ce soit. Vous replacez les narines sans aucun problème. Et une fois que c'est bon, en dessous, on va faire un petit nœud pour maintenir en fait la pression de ce qu'on vient de faire. Et ensuite, ben, vous cachez votre fil normalement. Et maintenant, vous le coupez. Et là, on a complètement fini le visage. Maintenant, une chose qu'on va faire, c'est prendre le corps et on va venir donc lui coudre la tête au corps. Et on va venir donc prendre le corps dans la face en fait que vous préférez, que vous trouvez la plus jolie. Vous voyez? Donc vous regardez vraiment toutes les faces et vous allez venir choisir une face. Donc moi ici où je me suis arrêtée, c'est là que j'ai choisi. Je prends la tête, je mets bien le corps droit devant moi parce que ça c'est le plus important. Pour bien voir, vous devez vous mettre l'amigurumi devant vous. Hein. Et on va venir coudre d'une façon que le petit girafon, vous voyez, il a une tête trop mignonne vers l'avant. Donc vous maintenez bien et vous allez venir commencer à prendre un morceau de la tête, un morceau du corps. Donc avec toujours du temps, de l'amour pour avoir un résultat hyper joli. Là pareil, je prends encore un petit morceau du corps, un petit morceau de la tête, et je viens continuer ma couture.
Chaque fois, je vérifie avant de continuer, parce que ce que je veux pas, c'est que ça se déforme, vous voyez? Donc on fait doucement. Et on continue. Donc quand vous avez fini de coudre le corps à la tête, on se retrouve. Quand vous terminez, vous faites comme d'habitude un petit nœud au bout. Et vous allez venir cacher votre fil à travers l'ouvrage. Comme ceci. Et maintenant, vous avez juste qu'à couper. Et vous avez en fait la petite tête, vous voyez, cousue au corps. Avec son long cou, il est trop mignon. Donc voilà, toujours pareil, vous le recoiffez un petit peu pour lui donner un petit air arrangé. Hein. Comme ça. Ses petits cheveux. Et donc, on a cette partie-là de terminer. Vous voyez? Maintenant, on va passer aux pattes. On va passer aux pattes, donc, à d'en bas, donc les jambes. On va venir placer notre girafe sur les pattes pour savoir où elles vont aller. Vous voyez? Comme ceci. Et une fois que c'est placé, en maintenant bien la patte, vous voyez? Voilà où elle doit arriver. Vous allez venir commencer à coudre. Vous voyez? Donc vous cousez une patte, ensuite vous cousez l'autre et on se retrouve. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que regardez pourquoi on n'a pas rempli. Vous voyez le bas ici, c'est pas rempli. Sinon le girafon, il pourra pas s'asseoir en fait. Donc ce sera super dommage. Il sera comme ça, en permanence il tombera. Donc c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je vous recommande vivement de ne jamais remplir le haut des cuisses. Vous voyez? Donc une fois qu'on l'a cousu, vous voyez, j'ai vraiment insisté sur ici que ça soit fin. Comme ça, il peut bouger la jambe. Donc maintenant, pareil, moi je vais passer directement à la deuxième jambe pour coudre. Je vais d'abord la placer ici. Donc, comme ceci. Voilà. Là, je la maintiens bien fort. Et je vais commencer à coudre directement ma deuxième jambe. Comme ça, ça m'évite de me reprendre un fil, etc. Celui-là, vous voyez, je le couperai après, je le cacherai. Et donc, je commence à coudre un petit morceau du corps et un petit morceau de la patte. J'ai terminé de lui coudre les pattes, donc il faut qu'elles soient un petit peu écartées puisqu'on va mettre les bras ensuite qui vont tomber vers le milieu. Et vous avez vu, il n'a absolument rien, ni dans les fesses, ni rien du tout. Il a juste une épingle ici qui ne sert à rien. Mais je veux dire, il tient debout tout seul, vous voyez déjà? Donc maintenant, on prend les bras et on va passer donc à la couture des bras. Vous voyez ici, c'est pareil. Pourquoi je ne remplis pas le haut des bras? Parce que sinon, ça fait un bonhomme de neige. Ça veut dire comme ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste plaqué sur le corps, comme nous, les humains. Hein, vous avez les bras plaqués sur le corps. Donc on va venir tout simplement, il faut qu'il touche, voyez, par terre, on va dire, ces petits bras. Donc j'aimerais bien vous le montrer. Vous voyez? Donc ça, c'est simple. Vous le mettez devant vous. Et tout simplement, il faut qu'il touche le parterre. Et ça, ça va l'aider à tenir aussi droit. Vous voyez? Avec le poids des bras. Donc on va venir se rattacher et commencer à coudre. J'ai dédoublé ici un petit peu de coton cupidon. Mais ce que j'ai fait, pour que ça aille plus vite, parce que là, c'est vraiment que pour la queue. Donc ce que j'ai fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai maintenu comme ça les morceaux. Et avec la pointe de mon ciseau, voyez, vous enfoncez dans un brin et vous tirez vers le bas. Vous enfoncez et vous tirez vers le bas. Et en fait, ça les décoiffe. Donc une fois que vous avez un peu, c'est vraiment petit ça. Hein, ça doit faire peut-être 10 cm, même pas. Peut-être 8. Vous prenez la petite queue. Et avec un crochet, donc là par contre, je vous conseille de prendre un crochet un petit peu plus grand. Là, je vais prendre du 3,5. Vous piquez au bout de sa queue. Vous récupérez tous ses cheveux, vous forcez, hein, vous les faites glisser, ici, vous tirez pas mal quand même, sans que ça sorte, hein. Et maintenant, vous avez juste, en faisant très attention, à faire une maille en l'air. Voyez ?
et vous tirez bien. Maintenant, si vous voyez qu'il y a un petit cheveu qui n'est pas glissé où il fallait, etc., vous le coupez. Et maintenant, vous allez venir ici. Égaliser pour que ça soit joli. Voyez, vous placez tout bien, vous ajustez et vous avez sa petite queue de fini. Donc très important, vous voyez, que quand il s'assoit, qu'on puisse la voir. Ici, ce qui se voit, c'est vraiment la partie ici, pas celle-ci, vous voyez, celle-ci. Donc vous allez veiller que ce soit cette partie qui ressorte et vous allez coudre sa petite queue. Donc vous le, il tient ainsi parfaitement. Vous prenez donc derrière, vous visez bien le milieu. Et vous venez lui coudre sa queue au milieu de ses fesses. Donc là, 2-3 points suffisent. Vous piquez et vous cachez votre fil. Tout simplement. Vous le réasseyez. Vous venez couper le fil que vous avez caché. Et cette partie-là, vous voyez, c'est fini. J'ai passé une grande tache donc dans l'aiguille à laine. Maintenant, je vais venir tout simplement, belle, lui coller par-ci, par-là, hein. Vraiment jusque là où vous avez envie, vous lui cousez les taches. Là, c'est vraiment, ça va être chacun ses goûts, vous savez comment ça se passe. Donc voilà. On a un petit morceau de la tache. Si elles ne sont pas parfaitement droites et tout, peu importe, hein, c'est des taches. Donc les taches, elles ne sont jamais parfaites, parfaites. J'ai terminé de lui coudre une tache, donc vous allez venir, vous voyez, alterner une petite, une moyenne, une grande, par exemple ici une petite. Vous voyez, vous lui en mettez quelques-unes. Et on se retrouve. J'ai terminé de le coudre donc toutes les taches, donc je les ai placées ainsi. Vous pouvez bien évidemment en mettre beaucoup plus que moi, il n'y a aucun problème. Vous voyez, moi j'ai mis quelques taches, vraiment, un petit détail. Et ça représente qu'en fait, il en aura plus quand il grandira, en fait. Donc, voilà. Donc, voici là maintenant. Oui, elle est complètement finie, cette petite girafe. Donc, ma question, c'est, n'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous avez envie de voir donc sa maman, voilà, en taille grande, vous voyez, une grande girafe, mais que ça serait sa maman sur la chaîne. À vous de me dire. Si vous me dites oui, ben, le temps de la créer, etc., vous voyez, de le filmer, etc., et elle serait en ligne. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui, ce joli bébé girafe. J'espère que mon tutoriel vous aura plu, que vous la ferez, que vous m'enverrez les photos. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain tuto. Bisous !